L'admission au cégep. Le Service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAM, est un OSBL qui gère les demandes d'admission au cégep pour 32 cégeps publics du Québec. Il existe deux types de programmes d'études collégiales auxquels vous pouvez vous inscrire. Les programmes préuniversitaires, offrant une formation préparatoire aux études universitaires et qui sont d'une durée de 2 ans ou 4 sessions. Les programmes techniques, offrant une formation orientée vers le marché du travail. Ils sont d'une durée de 3 ans ou 6 sessions et permettent également de poursuivre des études universitaires. Peu importe le choix de votre programme d'études collégiales, pour déposer une demande d'admission, vous devez détenir un diplôme d'études secondaires, DES, ou être en voie de l'obtenir avant la rentrée scolaire et avoir réussi les préalables du programme choisi. Besoin d'aide pour choisir votre cégep? Considérez l'ambiance, l'accessibilité, les activités parascolaires et surtout, assurez-vous de visiter les cégeps via les activités portes ouvertes. Vous pouvez aussi consulter le site pigma.ca pour de l'information détaillée sur tous les programmes d'études et les cégeps qui les offrent. Comment déposer sa demande d'admission? Utilisez le site web admission.sram.qc.ca. Commencez par créer votre compte et complétez votre demande en répondant attentivement aux questions demandées. Si vous êtes né au Québec et que vous êtes inscrit dans une école secondaire de la province, vous n'aurez en général aucun document à fournir pour effectuer votre demande d'admission. Votre confirmation de naissance au Québec, ainsi que vos notes de la 4e et de la 5e secondaire, seront acheminées au SRAM automatiquement. Par contre, si vous êtes né ou que vous avez étudié à l'extérieur du Québec, vous devrez téléverser les documents nécessaires dans votre dossier en ligne. Des indications claires quant aux documents spécifiques à fournir seront disponibles pour vous sur la plateforme en ligne. À compter de la date d'ouverture du système, vous aurez un peu plus d'un mois avant la date d'échéance du 1er mars pour compléter ou modifier votre dossier et pour payer par carte de crédit les frais de traitement de dossier non remboursables de 30 $. Selon le programme visé, il pourrait arriver que le cégep que vous avez choisi vous convoque pour des tests, des entrevues et des auditions supplémentaires. Vous obtiendrez les informations à ce sujet auprès du cégep et non du SRAM. Si vous êtes admis au programme choisi, vous devrez suivre les directives de votre cégep pour compléter votre admission. Si votre demande d'admission est refusée, vous pourrez participer, sans frais, au prochain tour d'admission. Pour plus d'informations sur le processus de sélection des demandes d'admission, consultez notre vidéo intitulée « Le système des tours ».